chapitre 14 versets 33 et 40 car Dieu n'est point un Dieu de confusion mais de paix comme on le voit dans toutes les églises des saints que toutes choses se fassent avec bienséance et avec entre. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat. Si c'est à ce moment-là que vous observez et que vous visionnez cette étude, et que Dieu vous bénisse et nous bénisse à travers cette étude, c'est ma prière. Euh... Aujourd'hui, euh, tout d'abord, l'étude que nous voulons contempler, je l'ai intitulé Autonome mais pas indépendant. Autonome mais pas indépendant. La question de l'organisation dans l'Église de Dieu. La question de l'organisation dans l'Église de Dieu. Je vais vous demander d'être de, très attentif parce que euh, nous allons traverser... Euh, plutôt je devrais dire nous allons aborder certains principes bibliques et, et qui sont propres à l'histoire euh, du développement de la plateforme de la vérité dans l'Église adventiste du Septième Jour des choses qui euh, nous concernent même nous qui vivons en ces derniers jours du temps de la fin euh, donc autonome mais pas indépendant vous allez me dire mais Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela implique Pourquoi ce genre de langage Alors tout d'abord, je dois dire que bien que ça ait une sonorité un peu qui sera certainement familière à certains, euh, ce message n'est pas euh, un message euh, de politiser. Et euh, camouflé sous euh, le prétexte d'une étude biblique. Ce n'est pas un message politique. Simplement, euh, j'ai choisi d'utiliser l'illustration de, de ce fonctionnement de certains états et territoires pour montrer la position que devraient euh, occuper aujourd'hui les églises locales dans le contexte de l'Église universelle de Dieu qui, selon euh, les paroles de Timothée, je crois, euh, chapitre 6, il me semble, euh, est, ou du moins devrait être, la colonne et la base de la vérité. L'Église de Dieu est, selon la parole de Dieu, la colonne et la base de la vérité. Et nous voulons contempler, tout particulièrement dans cette étude, euh, la position et dans quelle organisation devraient euh, vivre et devraient fonctionner les églises locales. Alors frères et sœurs, là j'ai fait un survol de ce que nous voulons contempler, mais maintenant je vais, nous voulons aller plus dans les détails, euh, être plus réalistes. Euh, tout d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, et en tant que brebis du Seigneur, Jésus qui est pasteur de son peuple, et ayant nous-mêmes, je m'adresse à ceux qui, en effet, pour qui c'est le cas, ayant nous-mêmes quitté la communion de l'Église adventiste moderne, et a fortiori, encore une fois, pour ceux que, que cela concerne, Ayant nous-mêmes quitté à ce jour le mouvement de réforme des Adventistes du septième jour, dans les deux cas, à cause de leurs apostasies, eh bien, la question inévitable qui se pose à nous est celle de l'organisation. D'ailleurs, frères et sœurs, vous noterez que les premiers adventistes du septième jour eux-mêmes avaient été confrontés à ce dilemme, comme nous allons le voir ici euh, dans cette étude d'aujourd'hui. Et ayant eux-mêmes dû être confrontés, et ayant été eux-mêmes confrontés à ce problème, de nombreuses années ont dû s'écouler avant qu'ils prennent enfin des décisions et des mesures vers l'organisation. De nombreuses années. Mais nous n'avons pas de nombreuses années. Et donc, frères et sœurs, euh, les questions qui se posent à nous aujourd'hui et auxquelles nous voulons répondre euh, sont les suivantes. La première, la Samarie et la Jérusalem moderne étant toutes deux tombées en déchéance doctrinale et spirituelle, devrions-nous, nous qui avons quitté leur, leur communion, également nous organiser Ou bien, deuxième question, qui est liée à la première, ou bien devrions-nous chercher à rester hors du radar de la papauté et des gouvernements hmm Je répète. Sachant que la Samarie moderne, qui n'est autre que l'église adventiste, la grande église adventiste du septième jour, et la Jérusalem moderne, qui n'est autre que le mouvement de réforme tel qu'il existe aujourd'hui depuis 1925, ou je devrais dire depuis 1951, ces deux entités qui s'assimilent très bien à ce qu'était la Samarie du temps de Jésus et la Jérusalem de Judas et Benjamin du temps de Jésus également, ces deux entités-là étant toutes deux à ce jour, tomber en déchéance doctrinale et spirituelle comme c'était d'ailleurs le cas pour la Samarie du temps de Jésus et pour la Jérusalem du temps de Jésus devrions-nous maintenant que ces deux entités là ces deux organisations sont tombées en déchéance doctrinale et spirituelle les deux devrions-nous nous qui avons quitté leur communion également nous organiser ou bien devrions-nous chercher, maintenant que nous avons quitté leur communion, à rester hors du radar de l'Église catholique romaine et des gouvernements civils hmm Voilà là, des questions auxquelles nous voulons absolument répondre aujourd'hui par le moyen et l'aide et le soutien de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie et des, euh, de, des connaissances et des principes acquis par l'étude et la contemplation de la parole de Dieu par les pionniers de l'Église adventiste, ce qu'on fera tout particulièrement vers la fin de l'étude. Donc nous abordons la question de l'organisation dans l'Église de Dieu, bien et, et ce, après même avoir quitté la communion de la Samarie et de la Jérusalem moderne. C'est l'objectif, la perspective de notre étude présente. Et donc, frères et sœurs, pour commencer notre étude, euh, j'aimerais attirer votre attention vers le fait que nous avons dans l'histoire des enfants d'Israël une illustration du genre de discipline et d'ordre que Dieu a toujours inculqué à son peuple et qu'il désire encore en ces derniers jours leur inculquer et les voir appliquer. Allez avec moi vers le passage et, dans le, et au passage de Nombre. Nombre au chapitre 24. Nombre chapitre 24, euh, nous voulons lire ce passage du verset 2 à 9. Dans cette, euh, ce récit euh, du prophète Balaam, euh, il en ressort à travers les paroles du prophète Balaam. Euh, des révélations sur le caractère de l'Église de Dieu du temps des enfants d'Israël dans le désert. Et cela nous sert d'illustration de ce qui était agréable à Dieu et de ce qui est encore à ce jour agréable à l'Éternel pour ce qui est de l'ordre et de la discipline au sein de son peuple. Je lis ici dans mon nombre, chapitre 24, verset 2. Donc, euh, pour le contexte, Balak avait demandé à Balaam de maudire Israël. Bon, bien entendu, Balaam, quoiqu'il n'était pas un homme de grande intégrité spirituelle et morale, euh, se voyait tout de même contraint de dire ce que l'Éternel lui demandait de dire plutôt que de dire ce que ba Barak. Lui avait promis de l'argent euh, et beaucoup de biens euh, pour euh, prononcer contre euh, Israël. Et donc, au verset 2, après avoir euh, énuméré ce contexte, nous lisons que Balaam, levant les yeux, vit Israël camper selon ses tribus et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il prononça son discours sentencieux et dit, Oracle de Balaam, fils de Béor, Oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, Qui voit la vision du Tout-Puissant, Qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. L'eau coulera de ses seaux, et sa postérité sera comme de grandes eaux, son roi s'élèvera au-dessus d'Agag, et son royaume sera exalté. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévorera les nations ses ennemis, il brisera leurs os et les frappera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme le lion, comme la lionne, qui le fera lever. Ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent seront maudits. Et réfléchissez ici, parce qu'on ne va pas pouvoir... Euh, D'ailleurs, ce n'est même pas l'objet de cette étude, de examiner tout ce qui ressort de, de ces versets, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Toutefois, vous noterez que Balak, l'Esprit de Dieu, vint, pardon, Balaam, l'Esprit de Dieu vint sur Balaam lorsque, levant les yeux, il vit Israël camper selon ses tribus. Hmm. Lorsque Balaam vit l'organisation, l'ordre et la discipline manifestées par le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu vint sur lui et lui fit prononcer ses bénédictions. Hmm? Lorsqu'il vit l'organisation, alors l'Esprit de Dieu vint sur lui et lui fit prononcer toutes ces choses positives pour décrire le privilège. Du peuple qui est ainsi béni de Dieu et qui marche avec Dieu. Et donc, c'est ce que je marquais ici, en voyant l'ordre et la sainte discipline qui caractérisaient les Israélites dans l'organisation de leur camp, l'Esprit de Dieu vint sur Balaam. Et pour élargir cela, j'aimerais que nous lisions euh, la, déclaration, la déclaration suivante qui se trouve dans. Euh, Patriarche et prophète à la page 426, et paragraphe 1. Je vous ai donné la référence toutefois, euh, dans le livre français, vous ne l'aurez pas comme cela, j'ai dû traduire directement de l'anglais, parce qu'il y a certaines personnes qui ont cru juste de ôter des phrases et de changer des mots et de faire toutes sortes de choses qui ne conviennent pas. Peu importe, Patriarche et prophète à la page 426, premier paragraphe, il est écrit. En regardant le campement d'Israël, Balaam vit avec stupeur la preuve de leur prospérité. La... En... en regardant le campement d'Israël, Balaam vit avec stupeur la preuve de leur prospérité. Réfléchissez un petit peu. Réfléchissez. On les lui avait représenté comme une multitude grossière et désorganisée, infestant le pays en bandes errantes qui étaient un fléau et une terreur pour les nations environnantes. C'est comme ça qu'on les lui avait représentés. On disait, ces gens, c'est comme des hordes. C'est comme des hordes, une multitude grossière et désorganisée. Hmm? L'Esprit de Dieu ne serait jamais venu sur Balaam si ce qu'il avait vu, c'était une, une multitude grossière et désorganisée, Dieu n'aurait pas béni cela. Et Dieu ne bénit pas cela. Vous comprenez Dieu n'aurait pas béni cela. Et Dieu ne bénit pas cela. Ne peut. Ne peut. Donc c'est ça, c'est comme cela qu'on les lui avait représentés, comme une multitude grossière et désorganisée infestant le pays en bande errante qui était un fléau et une terreur pour les nations environnantes. Mais leur, mais leur véritable apparence était le contraire de tout cela. L'apparence d'Israël, campé selon ses tribus. Cette grande multitude bien organisée selon les directives, ordonnances, prescriptions de l'Éternel. Hmm? C'est ça, pour cela que l'Esprit de Dieu descendit sur Balaam. C'est pour cela. Il, Balaam, vit l'étendue et la disposition parfaite de leur camp, où tout reflétait une discipline et un ordre rigoureux. Quel ordre Quelle discipline La discipline qui était une, une manifestation de leur obéissance aux instructions de l'Éternel qui avait dit, voilà comment tu feras, comme c'est marqué dans nombre au chapitre 1 ou 2, je crois. Voilà comment Israël sera organisé avec les tribus ici, le, le sanctuaire ici, les Lévites ici. Et tout était fait selon les instructions du Seigneur. Il vit l'étendue et la disposition parfaite de leur camp où tout, tout reflétait une discipline et un ordre rigoureux. On lui montra la faveur dont Dieu entourait Israël et son caractère distinctif en tant que peuple élu. Il ne devait pas être mis sur un pied d'égalité avec les autres nations, mais s'élever au-dessus d'elles toutes. Plus encore, j'aimerais, pour... Euh, élargir cette pensée que nous sommes en train de contempler ici en élargissement même de, de ce passage de nombreux chapitre 24 j'aimerais pour cela lire dans patriarche et prophète à la page 351 paragraphe 2 jusqu'à la page 352 qui nous dit ceci: le gouvernement d'Israël se caractérisait par une organisation particulièrement minutieuse, remarquable, à la fois par sa perfection et par sa simplicité. L'ordre qui éclate dans la perfection et l'arrangement de toutes les œuvres de Dieu était visible dans l'économie hébraïque. Dieu était le souverain d'Israël, le centre du pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la nation, chargé de faire respecter les lois au nom du Seigneur. Un conseil de 70 anciens choisis parmi les douze tribus le secondait dans la gestion des affaires, puis venaient les prêtres qui consultaient Dieu dans le sanctuaire. Des chefs ou princes gouvernaient les tribus. Sous ceux-ci étaient placés des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, ainsi que des officiers auxquels étaient confiés des charges spéciales. Des charges spéciales. Le camp israélite, disposé dans un ordre parfait, était partagé en trois grandes sections qui avaient chacune sa place dans le campement. Au centre se trouvait le tabernacle, demeure du monarque invisible. Autour du tabernacle campaient les prêtres et les lévites. Au-delà de ce cercle venaient les autres tribus. Et maintenant j'aimerais lire euh, à la pa euh, page 353 et paragraphe 2, le suivant. Pour terminer ce, cette lecture de ces citations-là, dans Patriarche et Prophète, il est écrit ceci. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s'exécute avec un ordre parfait. L'armée des anges déploie son activité dans une soumission et une discipline rigoureuse. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. Vous comprenez L'ordre dans l'organisation implique l'unanimité. C'est cela l'ordre. Tel que, tel que nous l'entendons, tel que Dieu l'entend. Non moins qu'au jour d'Israël, Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Non moins qu'au jour d'Israël, disons-nous, Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui doivent le faire intelligemment et non avec négligence et insouciance. Il marque son œuvre du sceau de son approbation lorsqu'elle est accomplie avec foi et exactitude. Donc maintenant que nous avons vu cela, j'aimerais que euh, nous, nous penchions sur ce, ce à quoi j'avais fait mention, à savoir que les premiers adventistes du septième jour avaient eux-mêmes été confrontés au dilemme de la question de savoir s'il fallait s'organiser, parce qu'ils étaient eux-mêmes sortis de... Euh, la Babylone, Babylone c'est-à-dire euh, des, des églises protestantes déchues à cause de leur rejet euh, du message du premier ange. Et à cause de cela, du fait qu'ils étaient ainsi sortis de ces églises qui étaient organisées, à, dû à ce, cette expérience passée qui était la leur, ils avaient une réticence à s'organiser, ou du moins à se réorganiser, pour ainsi dire. Et pendant de nombreuses années, ce fut, comme nous allons le lire ici, je suis en train d'essayer de vous donner une certaine introduction et un, un contexte historique du, de, du passage que je vais lire, pendant, pendant de nombreuses années, ce fut tâche difficile de leur, donner, de leur inspirer, de leur faire comprendre la nécessité de s'organiser à cause de leur passé et du fait qu'ils assimilaient l'organisation avec l'apostasie. Vous comprenez Maintenant, je lis, donc, euh, pour contempler le passé, tel qu'il nous est révélé par l'esprit de prophétie, euh, cette citation de Testimonies to Ministers and Gospel Workers, à la page 26, paragraphe 2 à 4. Paragraphe 2 à 4. Page 26, paragraphe 2 à 4. Où il écrit ceci. Au fur et à mesure que nos effectifs augmentaient, il devenait évident que sans une certaine forme d'organisation, il y aurait une grande confusion et que l'œuvre ne pourrait pas se poursuivre avec succès. Hein, qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure que nos effectifs augmentaient, disait-il. Ça devenait de plus en plus difficile d'entreprendre et d'entrevoir quel, un quelconque succès dans l'œuvre sans une certaine forme d'organisation. L'organisation, dit-elle, était indispensable pour assurer le soutien du ministère, pour étendre l'œuvre vers de nouveaux champs, pour protéger les églises et le ministère des membres indignes pour conserver les biens de l'Église, pour publier la vérité dans la presse, ainsi que pour bien d'autres choses encore. Pour toutes ces choses-là, disons-nous, l'organisation était indispensable. Je répète, bon, il faut le prendre dans le contexte de leurs besoins et de leurs capacités, et des perspectives de réussite dans la euh, euh, prédication et dans euh, comment, comment on dit comment, et dans l'évangélisation des peuples les entourant. L'organisation disait-elle était indispensable pour assurer le soutien du ministère, c'est-à-dire pour recevoir et distribuer la dîme. L'organisation était indispensable pour cela parce que sans organisation ils étaient contraints de passer par une personne ou plusieurs, mais il n'y avait rien de centralisé. comprenez Et cela crée toutes sortes de problèmes. Et cela crée toutes sortes de problèmes. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de confusion et dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40, que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre. Donc l'organisation, disait-elle, était indispensable pour assurer le soutien du ministère, pour payer les pasteurs et les, les ouvriers, pour étendre l'œuvre vers de nouveaux champs. Il fallait pouvoir décider de ces choses-là de manière in unanime, pour protéger les églises et le ministère de membres indignes, pour conserver les biens de l'Église, pour publier la vérité dans la presse, ainsi que pour bien d'autres choses encore. Je continue. Toutefois, et c'est là qu'elle parle de, de ce passé, du contexte qui était le leur dans l'Église adventiste, ou du moins je devrais dire dans le mouvement adventiste. Toutefois, il existait parmi notre peuple un fort sentiment contre l'organisation. Contre l'organisation. Il existait parmi le peuple adventiste un fort sentiment contre l'organisation. C'est-à-dire que parmi eux, ils étaient fortement enclins à être euh, contre l'idée d'organisation. Vous comprenez? Les adventistes du premier jour étaient opposés à l'organisation. Et, et la plupart des adventistes du septième jour partageaient les mêmes idées. Les adventistes du premier jour, c'était ceux qui avaient euh, appartenu au mouvement millérite, comme on l'appelle souvent, et qui avaient annoncé et qui avaient pris part à la proclamation du message du premier ange. C'était eux les, les adventistes du premier jour, qui étaient opposés à l'organisation. C'était ceux qui n'avaient pas... Euh, qui n'avaient pas été de l'avant dans euh, euh, l'avancée du message dans la vérité avec la révélation du sanctuaire dans le ciel et des commandements et donc du sabbat du, du, du septième jour. Ça, c'était les, les adventistes du premier jour. Et les adventistes du septième jour, eh Bien, c'est ceux que, qui firent plus tard partie de cette Église. La plupart des adventistes du septième jour partageaient les mêmes idées, c'est-à-dire partageaient les mêmes idées d'être contre l'organisation. Ensuite, elle continue nous cherchâmes le Seigneur par des prières sincères afin de comprendre sa volonté. Et et la lumière se fit par son Esprit sur la nécessité de l'ordre et d'une discipline rigoureuse dans l'Église et sur le fait que l'organisation était indispensable. Le système et l'ordre sont manifestes dans toutes les œuvres de Dieu à travers l'univers. L'ordre est la loi du ciel et devrait également être la loi du peuple de Dieu sur la terre. L'ordre et la loi du ciel. C'est-à-dire que le ciel est régi par la loi de l'ordre. Tout en prenant en compte le fait que Dieu est amour. Donc il faut, il faut arriver à, 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 à saisir toute l'amplitude de ce que cela veut dire, tout en n'excluant ne pas, pas ce que Dieu est. Parce que si Dieu est tout en tous pour tous, Dieu est tout pour tous dans le ciel, quand l'Esprit des prophéties dit que ce devrait être le cas, ou que c'est le cas et que ce devrait être le cas pour le chrétien sur la terre, et que Dieu est amour, eh bien le Dieu qui est amour fait régir la loi de l'ordre dans le ciel. Vous comprenez À la croix, nous lisons que euh, euh, la miséricorde et la, et la justice se sont embrassées. Elles s'embrassent en Dieu. En Dieu, elles ne connaissent pas de séparation. Et ce même Dieu qui est la source de la compassion et de notre vie est un dieu d'ordre pas un ordre froid et légaliste cruel et tyrannique mais un ordre tout du moins et Dieu et le ciel est régi par cette loi et le peuple de Dieu aussi devait devrait avoir devrait aussi avoir sur la terre, l'ordre pour sa loi, l'ordre, la discipline, et donc l'organisation. Donc euh, oui, je pense, voilà, j'ai tout lu cette partie-là. Donc à la lumière de cela, frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons appliquer et implémenter ces réalités aujourd'hui après avoir quitté à la fois la grande église et la réforme, car nous comprenons que là euh, l'organisation était indispensable pour eux, mais l'est-elle pour nous? C'est ça, parce que ça peut être une idée insidieuse qui s'insinue à nous. Euh, et par laquelle nous pouvons être tentés de dire que pour nous préserver des apostasies de ces organisations que nous avons quittées, nous allons aussi éviter l'organisation. Est-ce cela la conclusion à laquelle euh, la parole de Dieu et l'esprit de prophétie nous conduit Revenez avec moi vers ce passage, je viens d'y faire allusion, mais nous allons y revenir pour le lire attentivement, de 1 euh, Corinthiens chapitre 14 verset 40. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 40 et 33. Je vais lui lire dans le sens inverse. Que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre, verset 33, car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. J'aime bien la manière dont c'est écrit ici. Dans, je suis en train de lire dans, dans la Bible Darby, pardon, la Bible Martin, excusez-moi, la Bible Martin de 1855. Et il est écrit, il, il est écrit ici à la fin de ce verset 33. Alors, donc le verset dit Dieu n'est pas n'est pas un dieu de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Donc cette fin du verset, elle appartient à ce début du verset 33. C'est-à-dire que ce que l'apôtre Paul était en train ici de, de euh, leur remettre en mémoire, car apparemment ils étaient conscients de cela, les Corinthiens je veux dire, c'est que les églises du temps de Paul pratiquaient, pratiquaient cette discipline et cet ordre, qui est la loi du ciel, ils fonctionnaient selon ce principe. Selon lequel il doit y avoir de l'ordre dans l'église de Dieu. Tout en sachant que du temps de Paul, euh, c'était compliqué de pouvoir discerner une certaine forme d'organisation, quoique nous lisons dans l'esprit de prophétie que euh, Jérusalem était un peu le, le, la, le, le lieu de quartier général de l'église de Dieu à l'époque. Euh, mais il y avait beaucoup d'églises euh, auxquelles que Paul avait enseigné et qui n'étaient pas forcément directement rattachées, mais tout de même nous lisons, rattachées à Jérusalem, je veux dire, mais tout de même nous lisons que dans les églises des saints, on voyait que Dieu n'était point un Dieu de confusion, mais de paix et d'ordre. Et j'aimerais ici dire pour poursuivre. Cette citation qui se trouve dans Testimonies to Ministers, encore une fois, à la page 27 et au paragraphe 3, troisième paragraphe. Nous voulons arriver à comprendre comment nous pouvons appliquer et implémenter ces réalités euh, et ces principes que nous venons de euh, contempler dans la première partie de notre étude ici sur... Euh, l'illustration du principe d'ordre et de discipline et d'organisation dans les enfants d'Israël, et le fait que l'Église adventiste, ou je devrais dire le peuple de Dieu, a, par euh, la, la, la contemplation et, et l'étude de la parole de Dieu, et par la révélation de l'esprit de prophétie, euh, en sont venus à la conclusion que l'organisation était indispensable au fonctionnement de l'Église de Dieu. Je lis ici, Testimonies to à la page 27. Que nul, que nul ne s'imagine que nous pouvons nous passer d'organisation. Que nul ne s'imagine. L'édification de cette structure nous a coûté beaucoup d'études et de nombreuses prières pour obtenir la sagesse, et nous savons que Dieu les a exaucées. Vous comprenez C'est-à-dire qu'elle parle ici au nom de elle et de tous ses euh, frères et sœurs dans la foi qui ont étudié la parole pour connaître la volonté de Dieu à ce sujet, comme nous l'avons lu dans une des citations précédentes. Elle a dit que l'édification de cette structure, c'est-à-dire de la structure du principe d'organisation, leur avait coûté beaucoup d'études et de nombreuses prières pour obtenir la sagesse. Et ensuite, à la suite de cela, elle dit, et nous savons que Dieu les a exaucés, c'est-à-dire a exaucé nos prières, c'est-à-dire nous a donné la réponse à notre demande de sagesse en nous révélant que l'organisation était indispensable. Et c'est pour ça qu'elle dit que nous ne s'imagine que nous pouvons nous passer l'organisation, l'édification de ces structures nous a coûté beaucoup d'études. ensuite, elle, 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 pardon, elle continue en disant, elle, cette structure, a été construite sous sa direction, c'est-à-dire sous la direction de dieu, au prix de nombreux sacrifices et conflits. Qu'aucun de nos frères ne s'abuse au point d'essayer de la démolir, c'est-à-dire au point d'essayer de démolir cette structure, c'est-à-dire la structure du principe d'organisation, qu'aucun de nos frères ne s'abuse au point d'essayer de la démolir, car vous susciteriez ainsi un état de choses auquel vous ne songez pas. Mmh. En faisant quoi en cherchant à démolir la structure du principe d'organisation qu'ils avaient édifié au prix de beaucoup d'études et de nombreuses prières pour obtenir la sagesse sur la volonté de Dieu sur la question. En, en essayant de démolir cette, cette structure, cela créerait une situation Auquel on ne songe pas, qu'on oserait imaginer. C'est ce qu'elle disait. C'est-à-dire une situation indésirable parmi le peuple de Dieu. Indésirable. C'est-à-dire que ça, ça créerait plein de problèmes annexes. Après, vous, vous cherchez à régler plein de problèmes, alors qu'en réalité, les problèmes, ils sont là parce qu'il n'y a pas d'organisation. Vous comprenez? Il y a plein de problèmes, et nous disons il faut qu'on règle ce problème, ce problème, ce problème. Il y a plein de problèmes qui n'arrêtent pas de naître, c'est parce que le diable, il a, on lui a laissé la porte ouverte. On ne veut pas d'organisation. Et donc le diable, il dit Ah, je rentre, c'est chez moi ici. C'est la confusion, c'est chez moi. C'est ma maison. Moi, je suis le créateur de la confusion. Il veut être dans la confusion, ils vont avoir moi dans la maison. Hmm. Vous comprenez Je ne suis pas en train d'inventer ici. Babylone, c'est quoi? N'est-ce pas la grande création du diable? Qu'est-ce que ça veut dire, Babylone? Ça veut dire confusion. Babel. Mm -hmm. Dieu n'est point un dieu de confusion. Dieu n'est point un dieu de Babylone. Dieu n'est point un dieu désorganisé. Mm -hmm. Avec ordre et bien, bien séance. Je continue. Au nom du Seigneur, je vous déclare que cette structure doit rester debout, fortifiée, établie et solide. Sur l'ordre de Dieu, entre guillemets, aller de l'avant, fermez les guillemets, nous avons avancé alors que les difficultés à surmonter rendaient l'avancée apparemment impossible. Nous savons. Combien il nous en a coûté de réaliser les plans de Dieu dans le passé qui ont fait de notre peuple ce qu'il est. Que chacun fasse donc très attention à ne pas troubler les esprits en ce qui pardon, à ne pas troubler les esprits en ce qui concerne les choses que Dieu a ordonnées pour notre prospérité et notre succès dans l'avancement de sa cause. Que chacun fasse très attention à ne pas troubler les esprits. Dans quoi En ce qui concerne les choses que Dieu a ordonnées, c'est-à-dire l'organisation. Pourquoi Pour notre prospérité en tant que peuple de Dieu et pour notre succès dans l'avancement de la cause et de l'œuvre de Dieu. Vous saisissez Et donc, ce que j'ai marqué ici en... En petit résumé, Dieu a conduit, de ce passage-là, Dieu a conduit son peuple dans l'édification de cette structure, de l'organisation, et chercher à conduire le peuple de Dieu sans organisation, c'est démolir ce que Dieu a fait. Vous saisissez Je répète, Dieu a conduit son peuple pas à pas, à travers la prière et l'étude. Il a conduit son peuple dans l'édification, c'est-à-dire la construction de cette structure de l'organisation, à travers l'étude, les prières, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au grand principe et la grande conclusion que l'organisation était indispensable. Il a conduit son peuple dans cette édification-là. Et pour nous aujourd'hui, de chercher à conduire le peuple de Dieu sans organisation, pour laquelle nous avons des principes clairs et nets et précis. Faire cela, chercher à le conduire ainsi, c'est démolir ce que Dieu a fait. Vous comprenez C'est ce que nous venons de lire, non euh, que, chaque, que chacun fasse très attention à ne pas troubler les esprits en ce qui concerne les choses que Dieu a ordonnées pour notre prospérité. Et précédemment, nous avions lu si je vais pouvoir... Euh, voilà. Qu'aucun de nos frères ne s'abuse au point d'essayer de, de la démolir, de démolir cette structure, car vous susciteriez ainsi un état de choses auquel vous ne songez pas. Un état de choses auquel vous ne songez pas. N'est-ce pas ce que font les indépendants de nos jours avec, avec des ministères indépendants sans nombre, des vierges sans nombre, comme c'est écrit, je crois, dans le Cantique des Cantiques. Tu as des reines, des, tu as les, reines les, les concubines, et ensuite des vierges sans nombre, des, des groupes sans nombre. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas être organisé. Nous sommes indépendants. Nous allons voir cette question d'indépendance. Vous allez voir que cela va au-delà du fait de l'absence d'organisation. C'est plus que cela. Et je pense que je peux en parler à juste titre parce que. Je suis seul et donc la tentation de, de nourrir un esprit indépendant est très forte. Mais euh, je vais vous partager ici aujourd'hui ce que je sais être la vérité et ce, que, ce dont nous avons besoin afin de préserver à la fois notre esprit et la cohésion du peuple de Dieu. À la fois notre esprit et la cohésion du peuple de Dieu et les esprits de chaque personne dans l'Église de Dieu. J'aimerais lire ici pour... poursuivre. Par rapport justement à cette question d'indépendance, je pose la question. Indépendant Je lis ici dans le ministère évangélique à la page 475 et au paragraphe 2. Ministère évangélique, page 475, paragraphe 2 et 3. Écoutez bien. Comme Satan se réjouirait s'il pouvait réussir à s'immiscer parmi ce peuple, elle parlait de adventiste de son temps. Comme Satan se réjouirait s'il pouvait réussir à s'immiscer parmi ce peuple et désorganiser l'œuvre au moment où une solide organisation est essentielle et où elle sera du plus grand pardon du plus grand effet pour nous garder de mouvements qui sont des contrefaçons et pour éviter de suivre des doctrines qui ne sont pas contenues dans la parole de Dieu. Comme Satan se réjouirait s'il pouvait s'immiscer et désorganiser ce peuple-là au moment même où l'organisation, une solide organisation est essentielle et où elle serait du plus grand effet pour préserver le peuple de Dieu. De, des mouvements qui sont des contrefaçons de la vérité. Je continue, nous voulons tenir solidement les positions que nous occupons afin de ne pas démolir le système d'organisation qui a été construit à l'aide d'efforts pleins de sagesse et d'attention. Il ne faut pas permettre à certains éléments amis du désordre de prendre la direction de l'œuvre à un pareil moment. Mmh. Des éléments, c'est-à-dire des personnes, c'est ça, ce, ça que cela veut dire. La manière dont elle est traduite, c'est compliqué parce qu'il y, y a des mots anglais qu'on peut, difficile à traduire. Mais elle dit il ne faut pas permettre à certains éléments amis du désordre de prendre la direction de l'œuvre à un pareil moment. Et si nous avons une partie de nous qui est ami du désordre ou du moins qui veut bien l'ordre, mais sous notre propre direction, eh bien, il faut que nous nous défassions, nous dépouillons du vieil homme, nous dépouillons du désir de dominer sur les héritages du Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai si le désir de dominer sur le peuple de Dieu, il faut que je meure afin que je puisse vivre et servir Dieu et son peuple, plutôt que le dominer. Nous allons le lire à ce sujet-là. Nous allons lire à ce sujet-là. Sujet Je continue. Et là, c'est très intéressant. Et est -ce que c'est, Elle dit cela, mais à combien plus forte raison cela a été le cas après que Sarah White soit morte et après qu'il y a eu toutes, toutes, ces, toutes ces nouvelles naissances de nouveaux groupes qui ont continué à émettre cette idée-là qu'elle qu était ici en train de... de, de de comment dire, de d'exprimer presque comme une prophétie de ce qui allait se passer encore plus euh, après après elle. Je lis toujours hein, dans ministère évangélique à la page 475, paragraphe 3. Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous nous, que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Hein? Qu est quelle est l'idée qui est émise Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être dans une organisation, c'est juste moi et le Seigneur. Moi, j'entends la, la voix de Jésus. J'ai juste besoin d'entendre la voix de Jésus. C'est tout ce que j'ai besoin. Elle dit, certaines personnes ont émis cette idée-là. Que, allant jusqu'à dire que, vu qu'on est à la fin des temps, c'est juste moi et Jésus. Hum Combien la tentation est grande de penser comme cela. Vous n'allez peut-être pas parler comme cela parce que vous voyez que c'est un peu fallacieux comme argument. Mais vous pensez comme cela. Vous vous dites, c'est juste moi et Jésus. J'ai pas besoin qu'on me dise tu fais ça, tu vas là, tu... Non, c'est juste moi et Jésus. Hein? L'esprit de prophétie nous dit c'est fallacieux. C'est fallacieux et c'est charnel. Pourquoi Parce que nous n'aimons pas le concept d'être, d'avoir le sentiment d'être contraint. Ce n'est pas une contrainte, c'est une bénédiction. De la même manière que la loi de Dieu n'est pas en soi une contrainte, elle est qu'une contrainte que seulement quand on l'a transgresser. La loi de Dieu n'est une contrainte que quand on la transgresse. Et l'organisation est une contrainte que pour les esprits indépendants. Hmm Vous comprenez Réfléchissez, frères et sœurs, réfléchissez. L'organisation, ce n'est pas parce que en fait, nous sommes contre le principe, c'est que juste quand nous sommes nous avons des esprits indépendants. Nous n'aimons pas juste aimer les frères et sœurs dans, dans cette mesure-là. Nous voulons les aimer tout en, étant, tout en nous, nous, nous gardant le droit de D'être séparé d'eux. Donc en fait, c'est du libertinage spirituel en fait. Vous comprenez Il faut être, faut être honnête, il faut être réaliste. C'est du libertinage spirituel. Et ensuite, elle dit, à la suite de cela, d'avoir dit que certaines personnes ont émis cette idée-là, elle dit Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Alors c'est un peu compliqué parce que vous allez me dire, oui mon frère, toi tu es seul, tu es pas indépendant. Non, je suis pas indépendant. Vous avez aucune idée de combien de questions je pose sans arrêt. Si je ne suis pas sûr, je ne veux pas dire quelque chose que je pense parce que je pense, j'ai envie de le dire. Non. Par contre. Physiquement parlant, géographiquement parlant, je suis isolé. Mais ça ne veut pas dire que je suis indépendant. Et donc, si vous êtes géographiquement parlant un lieu où vous êtes isolé, il ne s'ensuit pas nécessairement que la, la, la conclusion logique, c'est que vous devez être indépendant. C'est ça que nous voulons comprendre ici. C'est tout particulièrement nécessaire pour nous de comprendre ce principe parce que. Comme nous allons le voir juste après, le peuple de Dieu, et du reste, est si peu nombreux. Réfléchissez, frères et sœurs. Je, je répète, mais le Seigneur m'a montré que dans, dans, son, dans cette œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, il n'est pas possible, c'est-à-dire dans cette œuvre, on peut être hors de l'œuvre et être indépendant, mais si on veut être dans cette œuvre, c'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Parce que l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas avec des indépendants, des freelances, pour ainsi dire. Mais avec un peuple uni. Et localement organisé, comme nous allons le voir. Je lis le suivant. Les étoiles. Ensuite, elle parle d'une illustration de la nature. La nature nous apprend et nous donne une illustration de la réalité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Les étoiles, dit-elle, sont soumises à des lois et agissent l'une sur l'autre pour accomplir la volonté de Dieu, cédant du verbe céder, cédant dans leur commune obéissance à la loi qui les régit. Et ici cette cette Phrase qui peut paraître un peu obscure est en, en réalité une, euh, une phrase qui exprime la loi de la gravité et comment celle-ci fonctionne, comment les étoiles fonctionnent et gravitent les unes autour des, des autres tout en cédant dans leur commune obéissance à la loi qui les régit. Vous comprenez? les étoiles sont soumises à des lois et agissent l'une sur l'autre pour accomplir la volonté de Dieu tout en cédant leur commune obéissance à la loi qui les régit de même pour que l'œuvre de Dieu progresse sainement et solidement le peuple du Seigneur doit se rassembler le peuple du Seigneur doit se rassembler selon dans quelle mesure selon la structure de l'organisation, ou du moins du principe de l'organisation. Et donc, est-ce que, comme nous avions lu ici, il n'y a personne qui émise l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Donc là, la, la, la question que je pose, c'est est-ce que nous pouvons, est-ce que nous devrions agir indépendamment de toute organisation religieuse La réponse est non. Nous ne devrions pas, et en effet nous ne Pouvons pas dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle disait que le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Dans cette œuvre. C'est-à-dire que si je veux être dans cette œuvre, je dis, Seigneur, j'aime ta vérité, je t'aime Seigneur, je veux t'obéir, je veux te servir, je veux m'unir au peuple de Dieu. Dieu dit, attention, dans cette œuvre, ce n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Donc, pour être dans cette œuvre, il faut que tu te conformes aux principes déjà établis de l'organisation. Ce n'est pas un ordre humain ici. Vous voyez que nous sommes en train de contempler les choses qui ont déjà été établies. Et donc, si chaque homme ne peut être indépendant et agir dans cette œuvre de Dieu indépendamment de toute organisation religieuse, alors que devrait faire chaque homme et femme qui croient à la vérité et qui désire s'unir au peuple de Dieu Il et elle devraient s'organiser avec ceux qui croient à la vérité ou ils devraient se joindre à ceux qui sont organisés. Je répète. Si donc chaque homme ne peut être indépendant, comme nous venons de le lire dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Si chaque homme ne peut être indépendant et ne peut agir dans cette œuvre de Dieu indépendamment de toute organisation religieuse, alors que devrait faire chaque homme et chaque femme qui croit à la vérité et qui désire s'unir au peuple de Dieu Il devrait s'organiser avec ceux qui croient à la même vérité. Ou bien, s'il si y a déjà quelque chose de fait, il devrait se joindre à ceux qui sont déjà organisés, dans et selon la vérité. Et faire cela, ce serait bel et bien se conformer au principe de cette structure que Dieu a érigée. Vous comprenez qu Qu'est-ce qu que nous avons lu ici j'ai envie de vous montrer que ce n'est pas moi qui dis cela. Ce n'est pas mon opinion. Il était écrit De même, après avoir cité cette illustration des étoiles, de même, pour que l'œuvre de Dieu progresse sainement et solidement, le peuple du Seigneur doit se rassembler. Comment Avec ordre et bienséance de telle manière que cela il pute, il puisse être manifeste à travers eux que Dieu n'est point un dieu de confusion mais de paix et d'ordre et d'organisation. Dieu est un dieu d'organisation. Organisation, Or, organiser, organiser c'est mettre de l'ordre dans les choses. Ça que cela. C'est est ça que c'est, pardon. Et c'est pour cela que nous disons que pour ceux qui croient en la vérité et qui désirent s'unir au peuple de Dieu, ils devraient s'organiser avec ceux qui croient en la vérité ou bien se joindre à ceux qui sont désorganisés. Et ils devraient le faire localement. Pourquoi Pourquoi disons-nous cela Je dis bien, pourquoi disons-nous cela Je ne dis pas cela. Pourquoi disons-nous cela parce que, frères et sœurs, vous vous rappellerez de cette, euh, euh, cette euh, ces trois phases qui sont présentées dans Amos chapitre 5. C'est-à-dire que euh, la ville euh, que Dieu a envoyée en guerre, elle est sortie avec 1000 hommes, ensuite elle est revenue avec 100. Ensuite, avec cent hommes, elle est, sorti, elle est sortie, ensuite elle est revenue avec 10. Jusqu'à ce qu'il ne reste que dix hommes à la maison d'Israël. Tel est le, le type de pourcentage, à peu près. C'est une, une image grossière, en pourcentage, une idée de, du petit nombre qui reste dans ce dernier peuple, ce peuple du reste, qui verra le retour de Jésus. Et parce que ce peuple est si peu nombreux, c'est pour cela que nous disons que ceux qui croient en la vérité, en toute la vérité, Biblique et adventiste, primitive, devrait s'organiser avec les autres qui croient en la vérité localement. Parce qu'il n'est plus aujourd'hui le moment et le temps de former une conférence générale, car les effectifs ne le justifient pas et ne le rendent plus possible. Comme je vais le lire ici, euh, dans cette déclaration de l'histoire du mouvement de réforme à la page 25 et au paragraphe 3, ce fameux livret qui fut euh, publié en 1925 mettait en avant un principe qui est encore une fois pour nous applicable maintenant que nous avons quitté à la fois la Grande Église et le mouvement de réforme et que nous nous retrouvons si peu nombreux dispersés à travers les nations de cette terre. Voilà ce que eux conseillaient aux frères et sœurs dispersés à travers le monde qui avaient à cœur d'entreprendre un travail de réforme et de réveil en réponse à, cette, à ce fameux appel de l'esprit de prophétie qui devait y avoir un réel travail de réforme et de réveil. Voilà ce que ces frères-là qui s'était vu radier de l'Église adventiste, conseillait à ceux qui également se voyaient dans, dans l'impossibilité de continuer leur communion avec une Église qui bafouait la réforme sanitaire, qui euh, euh, méprisait l'autorité des témoignages et qui était tombée dans une nouvelle organisation qui, l'esprit du le prophète nous avait dit, serait une apostasie de la vérité. Voilà ce qu'il leur conseillait. Parce que rappelez-vous qu'en 1925, ils étaient très peu nombreux, les frères du, du mouvement de réforme, et donc il est, pro il est po probable, possible, qu'à l'époque, lorsqu'ils ont fourni ces conseils, ils n'entrevoyaient pas encore euh, euh, la perspective de la formation d'une conférence générale qui aurait une, le, euh, comment dire, euh, une influence sur le monde entier. Bon, nous savons aujourd'hui que c'est le cas, mais rien, euh, vraisemblablement, ne, ne semblait indiquer à cette époque-là que cela allait être le cas. Et donc dans ce contexte-là, il disait voilà, nous n'avons pas de perspective, mais voilà ce de grandes organisations, mais voilà ce que nous conseillons au groupe local, aux frères et sœurs euh, assemblés qui se rassemblent localement, il disait nous conseillons à tous ceux, je lis les contextes ici sur la mais c'est la dernière phrase qui nous intéresse tout particulièrement. Nous conseillons à tous ceux qui souhaitent que leur dîme soit utilisée fidèlement, de ne l'envoyer qu'à l'endroit où ils savent qu'on enseigne, qu enseigne la vérité en harmonie avec la parole qui les a affranchis. Ensuite, il dit ceci Unissez-vous en groupe efficace, même si vous n'êtes que deux ou trois, car le Sauveur a promis à ceux-là qu'il serait lui-même parmi eux. Que disait-il Unissez-vous en groupe efficace, même si vous n'êtes que deux ou trois, car le Seigneur a promis à ceux-là qu'il serait lui-même parmi eux. Et si vous êtes plus que deux ou trois, non seulement vous pouvez vous unir, mais vous pourrez bientôt vous organiser. Et donc, la question maintenant est de savoir pourquoi autonome. Donc j'ai déjà répondu dans une certaine mesure. Donc nous avons vu pourquoi nous ne devrions pas être indépendants. Nous avons lu spécifiquement dans l'esprit de prophétie euh, que dans cette œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Que l'idée selon laquelle, parce que nous approchons des derniers jours, euh, chaque homme euh, devrait être, euh, agir de manière... Euh, agir indépendamment de toute organisation religieuse. Nous avons vu que cela n'est pas possible, que cela n'est pas viable, que cela est fallacieux. Et maintenant, nous voulons comprendre l'idée d'autonomie. Donc, pas indépendant, mais autonome. Et nous voulons arriver à faire la, la, la distinction euh, en lisant euh, la partie, euh, pardon, le, le, le verset d'Ésaïe, chapitre 1, verset 8. J'ai un peu sauté déjà en avant vers cette conclusion, mais nous allons y revenir à partir de la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 8 à 9, il est écrit « Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une butte dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelque peu Reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorre. Donc, en, cette, en cette, cette fin des temps, le peuple de Dieu est si peu nombreux que si Dieu ne nous, nous eût laissé quelques petits restes, comme il écrit, nous aurions été complètement décimés. c'est à ce point-là qu'ils sont peu nombreux. c'est qu'ils sont près de... Ils sont si peu nombreux qu'ils sont proches de l'extinction. comprenez. et plus encore, nous lisons dans sophonie, sophonie, chapitre 3, pour euh, montrer euh, le faible effectif de ce peuple-là, sophonie, chapitre 3, les faiblesses effectifs de ce peuple-là, chapitre 3, verset 12. Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne proféreront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils péteront et ils se reposeront. Et il n'y aura personne qui les épouvante. Voilà. Il n'y aura personne qui les épouvante. Donc, euh, verset 12, nous lisons que Dieu je je dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Euh, en anglais, je pense, c'est afflicted and poor people. C'est un peuple humble et faible. Faible en nombre. Un peuple qui n'a pas de puissance de nombre. Vous comprenez et qui met sa confiance dans le nom de l'éternel parce qu'il n'a tout simplement pas de confiance à mettre dans ses nombres. Mais à part d'autres choses encore pour lesquelles il ne peut mettre sa confiance que dans l'éternel, mais ici par rapport à ce que nous cherchons à comprendre, nous avons dit que si Dieu ne nous eût laissé quelques petits restes, nous aurions été décimés, réduits en cendres comme Sodome et Gomorre. Nous, nous étions si proches. Tel est le, le reste, tels sont les effectifs de ce reste. Nous avons lu ici dans Sophonie que c'est un peuple humble et faible. Et pour terminer cela, nous lisons dans Esaïe chapitre 24. Esaïe chapitre 24, verset 13, tout d'abord. Esaïe chapitre 24, verset 13, où il est écrit. Car il en est au milieu du pays parmi les peuples comme lorsqu'on bat l'olivier comme au grappillage après la vendange. Voilà, voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste de ce peuple. Il est comme il est parmi les peuples comme lorsqu'on bat l'olivier, comme au grappillage après la vendange. C'est juste, juste un reste un reste de récolte. Tel est, tels sont les effectifs de ce peuple. Et dans Ésaïe chapitre 17 verset 4 aussi, en complémentarité de cette, ce passage que nous venons de lire, Ésaïe 17 verset 4, il est écrit, En ce jour-là, la gloire de Jacob sera diminuée et son embonpoint se changera en maigreur et il en sera... Il en sera quand le moissonneur rassemble les blés et que son bras coupe les épis. Il en sera comme quand on ramasse les épis dans la vallée des Réphaïm, mais il restera quelques glanures, comme quand on secoue l'olivier, deux, trois olives au haut de la cime, quatre ou cinq fruits aux branches fertiles, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Deux, trois olives au haut de la cime. Je me souviens quand on faisait la récolte des oliviers, il y a quelques années, quand je travaillais dans mon, en apprentissage euh, chez mon maître d'apprentissage en, en maraîchage, il, il avait euh, une oliveraie, je crois qu'on appelle ça comme ça, oui, avec de nombreux oliviers. Et pour la récolte, euh, on avait des, des espèces de, de petits râteaux euh, en, en plastique. et euh, Donc, on secouait à la main, hein, c'était très, très physique et pas mécanisé du tout, on secouait, on mettait un, un filet euh, au pied euh, euh, de, des oliviers, on secouait, ça, on faisait tomber, et ensuite eh ben, il y avait toujours ces dernières olives qu'il fallait ven, aller chercher, et on, on prenait avec une espèce de, des fois à la main, des fois avec une espèce de canne, et on descendait les branches, et ensuite après on venait les, 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 les peigner pour ainsi dire, on venait les peigner pour descendre ces olives qui ne voulaient pas tomber. Eh bien, le peuple de Dieu est à cette fin comme certaines olives qui ont été laissées parce qu'elles elles, elles font juste partie de la glanure. C'est ce qui n'est pas tombé. Le peuple de Dieu est comme cette glanure. Le peuple du reste, je devrais dire, est comme cette glanure qui a été laissée parce qu'elle est inatteignable et euh, qu'on passe à autre chose. Ce sont euh, C'est juste un nombre infime par rapport à la grande récolte et donc on ne s'en occupe pas. Est ce peuple du reste, et donc parce que le peuple du reste est si peu nombreux, comme nous venons de le voir à travers ces passages, et également à la lumière du passage d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, qui nous dit que euh, le diable est allé à euh, faire la, la guerre, euh, est en colère, quand, était en colère contre la femme, et à la faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Euh, parce qu'ils sont si peu nombreux, parce que ce peuple du reste est si peu nombreux, comme quelques glanures, comme nous l'avons lu, après une grande récolte, il n'est plus pour nous, pour eux, pour nous, le temps de s'organiser de manière mondiale, comme ce fut le cas avec l'Église adventiste du temps de Sir White, et même comme ce fut le cas avec euh, le mouvement de réforme, c'est-à-dire de s'organiser avec une conférence générale. Avec des divisions, avec des unions et des fédérations. Non, ce n'est plus le temps pour cela, parce que, comme nous l'avons vu à travers ces passages et d'autres encore qu'on pourrait citer, les effectifs, les effectifs du peuple du reste ne se prêtent plus à cela. Il s'ensuit donc, c'est-à-dire, on en conclut donc, que chaque groupe, chaque église locale, doit pouvoir fonctionner de manière organisée et autonome. Rappelez-vous, je n'ai pas dit indépendant. Autonome. Chaque groupe et chaque église locale doit pouvoir fonctionner de manière organisée et autonome tout en n'étant pas indépendant des autres en termes de vérité, d'unité, de conseil de fraternité, d'amour, de sollicitude et d'intérêt mutuel les uns pour les autres. Voilà comment nous devrions donc fonctionner en tant que différentes parties de l'Église indivisible de Dieu. En ces derniers jours, comme ayant décidé de prendre notre place parmi le peuple du reste et d'appartenir à ce peuple du reste qui a été prophétisé. En effet, comme le dit le, le dicton, je crois que c'est en anglais, Nul homme n'est une île. Vous connaissez ce dicton Nul homme n'est une île, une île, c'est-à-dire un îlot. Nul, nul homme n'est une île, nul homme ne peut se suffire à lui-même. Et d'ailleurs, ceux qui vivent dans les îles savent très bien que nulle île n'est autosuffisante. Hum? À moins que vous vouliez repartir au temps des, de la pêche exclusive. Presque. De nos jours, et dans le contexte de l'œuvre de Dieu, d'ailleurs cela est illustré par notre période actuelle, nul homme n'est une île. C'est-à-dire, nul individu, nul groupe, ne devrait se soustraire ou chercher à se soustraire au conseil et à la sagesse de ses autres frères. Comme en disant, nous nous suffisons à nous-mêmes. Hmm? Ça ne marche que dans les réseaux sociaux. Nul homme n'est suffisant à lui-même. Ou du moins pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu a fait l'homme un être social. Et nous, nous, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, et nous ne voulions pas nous soustraire au conseil et à la sagesse des autres membres de l'Église de Dieu, l'Église universelle de Dieu. Hmm? C'est-à-dire que c'est comme dire, c'est comme dire, euh, moi je suis, moi je suis la main. Mais moi je n'ai pas besoin de l'œil. Ou moi je suis l'estomac, mais moi je n'ai pas besoin du côlon. Ou dire moi je suis le rein, mais moi je n'ai pas besoin de la vessie. comprenez Ce n'est pas cohérent. C'est comme ça que euh, l'Esprit de Dieu a illustré la, la relation interdépendante des membres dans l'Église de Dieu, à travers euh, ce passage fameux euh, de l'apôtre Paul. J'aimerais ici, pour arriver à parvenir à, à notre conclusion pour aujourd'hui, lire la situation suivante qui se trouve, euh, ou plutôt, avant de lire cette citation, j'aimerais que nous nous attardions vers euh, la réponse à la, à la deuxième question que nous avions posée au tout départ vis-à-vis -vis de si nous avons vu ici que nous devrions nous organiser, nous avons vu que nous ne devrions pas chercher à être indépendants, nous avons vu que nous devrions fonctionner localement, de manière autonome, toutefois pas indépendante. Mais nous voulions savoir si, euh, aussi, parce que nous voulons euh, effacer tout doute et incertitude sur la question, nous voulons savoir s'il ne serait pas bien de chercher à rester hors du radar de la papauté des gouvernements. Pour cela, j'aimerais que nous lisions la citation suivante qui se trouve dans Spaulding and Megan Collection, à la page... À la première page, et au paragraphe 5, où il est écrit, cette citation assez intéressante, qui je pense ne manquera pas euh, de susciter votre intérêt. Voilà ce qui est écrit. Boyd disait J'ai vu que l'Église nominale et les adventistes de nom, comme Judas, nous dénonceraient aux catholiques afin d'obtenir leur influence pour combattre la vérité. Les saints, les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques. Mais les églises et les adventistes de nom qui connaissaient notre foi et nos usages, car ils nous haïssaient à cause du sabbat, faute de pouvoir le réfuter, trahiront les saints et les dénonceront aux catholiques. Les présentant comme ceux qui ne respectent pas les institutions du peuple, c'est-à-dire qu'ils observent le sabbat et ne respectent pas le dimanche. Dans le contexte ici, l'esprit de prophétie est ici en train de. Ça, ouais, était, ici, était ici en train de parler euh, au futur en utilisant des termes qui étaient utilisés à son époque, c'est-à-dire l'église nominale, les adventistes de nom. Euh, les adventi oui, là, c'est ça. Donc, quand elle parlait de l'église nominale, il s'agissait euh, de, des églises protestantes, si je ne m'abuse. Et quand elle parlait des adventistes de nom, elle parlait euh, des adventistes euh, du septième jour et, et également des adventistes du premier jour. Donc, la, la, la distinction n'est pas faite, mais en tout cas, ce, ce qui est certain, c'est que. Euh, elle parle dans le futur et elle dit que les saints, hein, par rapport à la crise finale, les saints seront alors un peuple obscur, c'est-à-dire peu connu. Et donc elle disait que les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas inconnus des catholiques, mais ils seront peu connus d'eux. Donc il ne sert à rien d'essayer de nous... Euh, cacher des catholiques parce que les catholiques connaissent tous, connaissent toutes les, les confessions religieuses, connaissent toutes les organisations. Seulement, ce peuple sera peu connu d'eux, mais il ne sera pas inconnu d'eux. Et d'ailleurs, nous lisons que ce n'est pas même pas les catholiques qui euh, trahissent et qui euh, euh, dénonceront au gouvernement civil ces, ces personnes-là, car il est écrit que. Les Adventistes de nom qui connaissaient notre foi et nos usages trahiront les saints et les dénonceront aux catholiques. C'est-à-dire, il est question, ce sont les anciens frères qui, selon cette déclaration, euh, dénonceront les saints aux catholiques. Vous voyez Et ce n'est pas les catholiques qui auront vraiment un rôle à jouer dans cette question. Comme c'est d'ailleurs écrit également dans la Tragédie des siècles, à la page 660 et paragraphe 2, où il est écrit, euh, je, vous, je vous passe euh, les détails, je vous laisse euh, lire le reste euh, dans votre temps. Je vais juste aller euh, directement à l'important où il est écrit, des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour tromper et détourner les âmes et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Vous voyez, ce sont eux, les anciens frères qui deviendront les ennemis acharnés des observateurs du sabbat. Quand les observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats véritables agents de Satan seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Vous voyez Donc tout cela pour vous pour nous montrer que les saints seront alors certes peu connus des catholiques, mais ce n'est pas cela qui va les mettre en danger. C'est la relation et la, la connaissance que leurs anciens frères ont d'eux et les, leurs anciens frères, qu'ils soient organisés ou pas organisés, ils le connaîtront tout de même. Ils les connaissaient avant et ils sont au courant de ce qu'ils sont devenus après. Vous comprenez Donc est-ce que nous devrions chercher à rester hors du radar de l'Église catholique Pas si cela nous conduit à démolir la structure de l'organisation que Dieu a érigée à travers ses serviteurs et a confirmée par l'esprit de prophétie. Maintenant, pour, euh, pour conclure notre méditation ici aujourd'hui, je vous remercie de votre patience, mais nous, nous sommes en train de contempler beaucoup de choses et cela prend pas mal de temps. J'aimerais lire la citation, la citation suivante de James White dans son, dans son article intitulé Organization and Discipline, c'est-à-dire l'organisation et la discipline, où il parle de la chose suivante qui ne manquera pas de nous intéresser par rapport aux principes qui devraient régir les frères dans le contexte de la nécessité d'organisation. Je lis le, le suivante. Et nous allons poursuivre après. Entre les deux extrêmes, l'un l'autorité ecclésiastique et l'autre l'indépendance non sanctifiée, nous trouvons le grand secret de l'unité et de l'efficacité dans le ministère et dans l'Église de Dieu. Entre ces deux extrêmes, d'une part l'autorité ecclésiastique et d'autre part l'indépendance non sanctifiée, il y a un juste milieu. Dans lequel se trouve, comme il dit, le grand secret de l'unité et de l'efficacité dans le ministère et dans l'Église de Dieu. Ensuite il dit ceci. Notre attention est attirée sur ce point dans un appel très solennel du vénérable apôtre Pierre aux anciens de son temps. Et puis il cite euh, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 5. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. De points. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez un peu le principe qui est vers lequel le frère James White a tiré ici notre attention. Selon quel principe devons-nous euh, fonctionner de manière organisée dans l'église de Dieu les anciens sont exhortés à paître le troupeau de Dieu qui est au milieu d'eux veillant sur lui non par contrainte mais volontairement non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur mais en étant les modèles du troupeau non comme ayant la domination c'est-à-dire le troupeau du Seigneur ne doit pas être dominé mais doit être conduit et doit se voir fourni un exemple d'humilité et de conciliation. Voilà ce à quoi à la fois les anciens et les diacres et les laïcs et les jeunes gens sont appelés, comme c'est décrit juste après, en nous soumettant les uns aux autres nous devrions nous revêtir d'humilité car en effet Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles l'orgueil mène à la suffisance et mène à l'esprit d'indépendance mais l'humilité permet au peuple de Dieu de se rassembler et lui permet également de à fonctionner de manière organisée car l'organisation nécessite un esprit de réconciliation qui est l'esprit euh, par lequel Dieu a opéré notre rédemption, et nécessite aussi pour nous d'être attentifs aux besoins euh, des uns des autres plutôt que de dominer sur les héritages du Seigneur. J'aimerais continuer par euh, la citation qui se trouve dans Ministère, Ministère évangélique, évangélique pardon, à la page 475 et paragraphe 4 où il est écrit le suivant. L'action capricieuse et spasmodique de certains prétendus chrétiens ressemble au comportement de chevaux vigoureux, mais non dressés. Quand l'un tire, l'autre retient. À la voix du maître, l'un fonce en avant et l'autre reste solidement planté sur ses quatre pieds. Si les hommes n'agissent pas de concert dans l'œuvre noble et grande que Dieu veut accomplir aujourd'hui, il en résultera de la confusion. Ce n'est pas un bon signe lorsque des hommes refusent de travailler en harmonie avec leurs frères et préfèrent agir seuls. Que les ouvriers placent donc leur confiance en ceux de leurs frères qui ne craignent pas de sonner l'alarme chaque fois qu'on s'écarte du bon chemin. Si les hommes portent le joug de Christ, ils ne s'éloigneront pas les uns des autres. Au contraire. Ils tireront avec Christ. C'est-à-dire lorsque Christ avance, il n'y aura, aura pas un qui tirera, l'autre qui restera planté sur ses pieds, mais ils tireront avec Christ lorsque Christ leur, les appelle et les fait avancer, ou désire qu'ils les avance. Et la citation suivante que nous venons de lire est importante, où il est écrit... Si les hommes n'agissent pas de concert dans l'œuvre noble et grande que Dieu veut accomplir aujourd'hui, il en résultera de la confusion. De concert, agir de concert, c'est-à-dire ne pas simplement penser que l'opinion de quelques personnes est suffisante, mais agir avec une unanimité, agir de telle manière à produire et sécuriser l'unanimité par l'esprit d'humilité. Vous comprenez et Ensuite, elle continue. Ce n'est pas un bon signe lorsque les hommes refusent de travailler en harmonie avec leurs frères et préfèrent agir seuls. Nous ne voulons pas travailler les uns les autres, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un signe d'humilité et cela créera la confusion. Cela créera des barrières et nous ne pourrons pas satisfaire le désir du Seigneur pour son peuple. En ces derniers jours et, cette der et en cette dernière partie de l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il est dit que les ouvriers devraient placer leur confiance en ceux de leurs frères qui ne craignent pas de sonner l'alarme chaque fois qu'on s'écarte du bon chemin. Nous devrions mettre de la confiance dans de tels hommes plutôt que d'éviter de tels hommes. Vous comprenez Je poursuis. Certains ouvriers tirent avec toute la force que Dieu leur a donnée, mais ils n'ont pas encore appris qu'ils ne doivent pas tirer seuls. Vous comprenez donc C'est-à-dire que Dieu peut nous donner la force, peut nous donner l'inspiration, mais il se peut que cette inspiration, cette force, nous la, nous l'utilisions, nous l'employions sans utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée dans d'autres domaines, et notamment dans celui de l'ordre, la discipline, l'organisation. Et l'esprit de conciliation par lequel nous sommes appelés à, à nous rassembler les uns avec les autres plutôt que de nous isoler les uns des autres. Nous devons apprendre que nous ne devrions pas tirer seuls. Pourquoi Parce que si nous tirons seuls, imaginez, vous êtes, il y a un attelage, il y a un cheval qui est prêt à avancer, l'autre qui ne veut pas avancer, qu'est-ce qui va arriver à l'attelage Il ne va aller nulle part. Et plus encore, le fait que l'un va et que l'autre ne va pas risque de créer des, risque de casser certaines choses, certaines pièces. Parce qu'il va avoir des tensions là où il ne devrait pas y avoir de tensions, là où les choses ne sont pas conçues pour être, ou, ou, pour être tendues. Parce que si, si un cheval avance, que l'autre reste, il y a des choses qui vont casser. L'autre il va de toute sa force, l'autre il reste euh, planqué sur ses pieds. Vous comprenez je continue. Au lieu de s'isoler, ils devraient travailler en harmonie avec leurs compagnons de service. Au lieu de s'isoler. Sinon, ils agiront à contre sens et à contre temps. Si nous nous, si nous nous isolons, si nous ne travaillons pas en harmonie avec nos compagnons de service, que ferons-nous Nous agirons à contre sens et à contre temps. Vous comprenez ils feront souvent une œuvre opposée à celle que Dieu aurait désirée, ce qui sera bien pire que d'avoir simplement gaspillé leurs forces. D'autre part, ceux qui dirigent le peuple de Dieu doivent se garder du danger de condamner les méthodes de ceux que le Seigneur pousse à faire une œuvre particulière, réservée seulement à quelques-uns, que les frères responsables ne soient pas promptes à critiquer tout ce qui n'est pas en harmonie parfaite avec leur méthode personnelle, qu'ils ne supposent jamais que tous les plans doivent refléter leur propre personnalité, qu'ils ne craignent pas de faire confiance aux méthodes d'un autre, car en retirant leur confiance à un frère qui, avec un zèle humble et consacré, travaille d'une manière spéciale dans une direction que Dieu lui a indiquée, il retarde les progrès de la cause du Seigneur. Comprenez, on ne devrait pas craindre de faire confiance aux méthodes d'un autre parce que celles-ci ne correspondent pas aux nôtres, mais nous, ne, nous devrions nous confier en l'inspiration divine que chaque ouvrier et serviteur reçoit du Seigneur dans sa Position et sa situation particulière, tout en, ne, nous, ne nous, isolons, en, nous, en nous ne nous isolant pas nous-mêmes les uns des autres. Hein, comme c'est marqué ici, qui ne suppose jamais que la, tous les plans doivent refléter leur propre personnalité. L'Église de Dieu est un tout composé de différents membres. Et il se peut que certains plans qui soient selon la volonté de Dieu ne reflètent pas particulièrement notre personnalité mais nous ne devrions pas chercher à savoir s'ils reflètent notre personnalité ou notre prédisposition particulière mais plutôt s'ils renferment et s'ils sont guidés par Dieu, s'ils renferment la vérité de Dieu et s'ils sont en harmonie avec ses conseils j'aimerais conclure ici par la citation de ministère évangélique à la page 477 et au paragraphe euh, paragraphe 1 on va conclure. Il m'a souvent été montré par le Seigneur qu'aucun homme ne devrait s'en remettre absolument au jugement d'un autre homme. Vous voyez, c'est l'équilibre ici. C'est-à-dire que nous devrions tenir conseil les uns aux autres, mais pas de tenir l'autorité d'un homme comme suprême. Ce, que, ce qui est suprême, c'est l'autorité de Dieu. La parole de Dieu, euh, elle n'est pas discutable. Mais le jugement d'un autre, peut-être n'a pas sa validité partout. Il m'a souvent été montré par le Seigneur qu'aucun homme ne devrait s'en remettre absolument au jugement d'un autre homme. De même, l'esprit d'un homme ou de quelques-uns ne devrait jamais être regardé comme assez sage pour contrôler l'œuvre entière et pour décider des plans à exécuter. Mais quand, elle parlait en tant que, dans, le, dans le contexte de leur fonctionnement, parce qu'ils étaient nombreux, quand, en tant que conférence générale, les frères assemblés de toutes les parties du monde délibèrent, l'indépendance et le jugement personnel ne doivent pas être obstinément conservés, mais abandonnés. Personne ne devrait regarder comme une vertu l'attachement inébranlable à son opinion, si elle est contraire à la décision générale du corps. Et c'est comme cela que nous pouvons nous préserver euh, de l'influence de Satan parmi nous en cherchant la, euh, l, euh, la pensée du Seigneur et la à travers le corps de Christ, à travers son Église et la décision générale du corps. C'est ainsi que nous pouvons préserver l'ordre et la discipline en cherchant le bon vouloir du Seigneur à travers l'ensemble de l'Église de Dieu, l'ensemble des membres réunis, plutôt que d'avoir cette puissance unique. Parfois, quand un petit groupe d'hommes chargés de la direction au nom de la conférence générale, à chercher à faire aboutir des plans qui manquaient de sagesse et à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai dit, dit Sir White, j'ai dit que je ne pouvais pas plus longtemps considérer la voix de la conférence générale représentée par cette minorité comme étant la voix de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les décisions de la conférence générale réunies en assemblée composée d'hommes représentant toutes les parties du monde ne doivent pas être respecté, Dieu a établi les représentants de son Église et leur a donné autorité. L'erreur que certains risquent de commettre, c'est de remettre à un seul homme ou à un petit groupe d'hommes la pleine mesure d'autorité et d'influence dont Dieu a investi son Église et qui se manifeste par la voix du comité de la conférence générale lorsqu'il est réuni pour veiller à la prospérité et au progrès de son œuvre. Voilà, je passe. Euh, je vous laisse la liberté de lire le dernier paragraphe dans votre temps. J'aimerais pour vraiment conclure, lire la citation suivante qui se trouve euh, dans, encore une fois, cet article de James White, L'organisation et la discipline, où il dit le suivant, qui nous aide à bien saisir, pour euh, terminer, l'esprit qui devrait être le nôtre dans euh, l'effort vers l'organisation, et pas simplement vers l'organisation, mais vers la conciliation des esprits. Parce que l'organisation, comme c'est comme, euh, marqué ici, euh, je pense, ce euh, n'est pas marqué ici, mais à un endroit, il nous dit que l'organisation n'a pas été euh, créée pour euh, contraindre les esprits, mais plutôt pour euh, euh, prémunir l'Église contre euh, les contrefaçons, comme nous l'avions lu, et pour également donner la possibilité de soutenir le ministère et, euh, et de, de mettre en capacité les ouvriers à aller dans de nouveaux champs, etc., etc. ici, il dit ceci. les officiers d'une église locale sont des serviteurs de cette église et non des seigneurs qui la dominent par l'autorité de l'église. elle cite matthieu, chapitre 23, vers, verset 11. celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. ces responsables, doivent donner aux membres de l'Église un exemple de patience, de vigilance, de prière, de bonté et de libéralité, et doivent manifester à l'égard de ceux qu'ils servent un bon degré de l'amour que l'on retrouve dans la vie et les enseignements de notre Seigneur. Dans l'accomplissement des devoirs de leur charge, dans la supervision générale de l'ensemble de l'œuvre, leur force, c'est-à-dire la, for la force des officiers de l'Église, réside dans leur capacité à prendre conseil auprès de leurs frères, dans un esprit de tendresse et d'amour, de, de manière à lier les cœurs de tous les ouvriers à leur cœur et à faire place à la voix du Saint-Esprit comme cela fut le cas à l'époque des apôtres. Ils doivent toujours garder à l'esprit que le chef de tout homme, c'est Christ. Où, où réside la force des, des officiers de l'Église dans l'accomplissement des devoirs de leur charge, dans la supervision générale de l'ensemble de l'œuvre Pas dans leur autorité nue ou dans leur domination des héritages du Seigneur. Non, leur force réside dans leur capacité à prendre conseil auprès de leurs frères dans un esprit de tendresse et d'amour, de manière à lier les cœurs de tous les ouvriers à leur cœur et à faire place à la voix du Saint-Esprit. Ils, et nous, Devrions, ils doivent toujours garder à l'esprit que le chef de tout homme, c'est Christ. Donc voilà, frères et sœurs. Euh, nous avons contemplé aujourd'hui, euh, par la grâce de Dieu, euh, comment nous pouvons euh, mettre en pratique ces principes et implémenter ces principes de l'organisation euh, parmi nous, en nos saints. Euh, en ces derniers jours, nous avons compris que nous ne pouvons pas être indépendants, comme nous l'avons lu, mais que nous devrions fonctionner de manière autonome, comme nous l'avons également lu à la lumière du fait que le peuple de Dieu, en ces derniers temps, sera un peuple peu nombreux. Mais nous devons tout de même euh, recevoir le, les principes d'organisation, mais en recevant ces principes d'organisation, il est impératif que nous comprenions et que les responsables comprennent, ainsi que tous les autres membres, euh, que l'esprit d'humilité est la seule sauvegarde pour euh, l'Église de Dieu, et que euh, pour ceux qui, ceux qui ont la, une responsabilité dans l'œuvre, euh, la réelle force réside dans la capacité à prendre conseil auprès des frères, à tenir conseil, à chercher conseil, euh, afin de réellement faire place à la voix du Saint-Esprit afin d'entendre la voix du Seigneur et à discerner la volonté du Seigneur dans nos euh, situations particulières, car réellement nos situations sont souvent particulières en ces derniers jours, après avoir euh, quitté la communion des autres églises. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions euh, garder à l'esprit à chaque instant dans le contexte et le cadre de cette activité vers l'organisation, que le chef de tout homme, c'est Christ, et que nous ne devrions pas euh, dominer les héritages du Seigneur, mais euh, faire place euh, à l'activité du Saint-Esprit parmi euh, son troupeau, à paître le troupeau et euh, à ne pas contraindre les brebis, mais à les conduire, à leur donner un exemple. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et nous bénisse tout un chacun dans cette euh, organisation de l'Église, cette activité de l'organisation de l'Église de Dieu. Euh, puisse le Seigneur nous aider à nous organiser de manière autonome, mais pas indépendante, et à dans ce, cette activité à trouver le moyen de lier euh, les cœurs de chaque frère et sœur au cœur de leurs euh, frères et sœurs à travers le monde. Euh, C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse dans ses vins. Au nom de Jésus. Amen.